Et voici Richard Gasquet qui entre. Un petit signe au public, c'est sympa. Ouais. Parce que je pense qu'il aura une grande partie du public derrière lui, c'est important aussi. Même si Rafael Nadal est un peu chez lui aussi. Oui. Le voici, Rafael Nadal, 6 fois vainqueur ici à Monte Carlo, 6 fois consécutives. Bon. Oh, que c'est bien fait, bravo. Oh, ouf. Accélération. Je vais essayer d'aller, Richard. Magnifique, bien joué. Allez. Et il monte. Et là, il est pas de saligny, il monte. Ah, faut qu'il pousse. Tu veux. Ah, il fallait s'y attendre, hein. C'est tellement loin, Richard. Oh, qu'il est parti vite encore celle-ci. Oh, magnifique! Il y a des règlements précis hein, pour l'ATP sur la surface qui doit être occupée par le logo. Bam! Oh, il est parti vite celui-ci. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Ouais. Sous les yeux de Caroline Wozniacki, la numéro 1 mondiale. On est en long de la ligne encore. On peut faire beaucoup mieux, Richard. On peut aller à 55, 60. Parfait, Nadal au service pour le gain du set. Non, il s'est arrêté à peine passé, Richard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas lui donner. Hein. Il va pas lui donner les points, Rafa. Il jaillit bien. Hein. Ouais. Et ben voilà, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, si vous le souhaitez aussi, c'est pour vous, c'est cadeau. C'est aussi ça, Canal. Après le clip de Shakira. Chincha. Sur le forum, on a vu le torse de Nadal et pourquoi on ne verrait pas le torse de Caroline Wozniacki? Bon, ça ne me dérangerait pas. Hein, bon. Oui, mais on va envoyer Sébastien Hulot pour lui demander.
comme aller deux fois pour raconter lui. Qu'est-ce que ça va vite. Qu'est-ce que ça va vite. Quel travail des pieds. Je regardais là son déplacement. C'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est pas mal du tout ça. C'est en train de déjeuner, Caroline, tranquillement. Quel magnifique enchaînement. Les meilleurs joueurs jouaient, devaient jouer, hein, quand même. Et la sanction. Oh la zone extraordinaire trouvée avec ce coup droit par Rafael Nadal. Elle ne s'embarrasse pas. Hein. Ouais, bien joué, bravo. Ok, elle est belle celle-ci aussi. Ouais. Vite encore. 7. Bien, bien. Oh, les bonnes. Ah, magnifique. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Un slide parce que sur la ligne. Il a pris la ligne encore. Oui, monsieur, le passing de Richard Gasquet pour revenir à 4 partout dans cette deuxième manche. Au moment où on pensait que Rafael Nadal avait fait le plus dur et avait réussi à tordre ce match, le sursaut de Richard Gasquet avec ce passing bout de course. Fallait pas l'agacer. Oh, elle est sur la ligne. Il ose pas monter, il y a Nadal là. A regagné du terrain, Richard Gasquet. Oh. Et il a une belle main en plus, cet Espagnol. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Et voilà,
pour terminer en beauté. Raphaël Nadal qui se qualifiait pour le quart de finale ici à Monaco. Victoire en deux manches face à Richard Gasquet. 6-2, 6-4 avec un gentil mot au passage pour le Français. Et une victoire de plus sur la terre battue monégasque pour l'Espagnol. 1h33 de jeu. Alors que Agathe Roussel doit être la femme la plus enviée de France en ce moment, parce qu'elle est tout simplement 1m50 de Raphaël. Elle est en train de le regarder se changer, se mettre torse nu. Faudra juste penser à vous reconcentrer, Agathe. On vous voit bien à l'image pour faire l'interview dans quelques instants. Voilà, ce métier nous offre parfois des petits bonheurs. It was a beautiful match today against Richard, Rafa. Yeah, I think so. No, I think it was a very good rally from the baseline. For me personally, it was a very, very good match. You know, I played much better than yesterday. Every day I'm feeling a little bit better on clay. And today was a high level, you know, to win against Richard 6-2, 6-4. I must be playing really good. So I'm very happy about the result of today. You know, and for sure happy to see Richard playing another time well. Sorry for him today. Un très beau match en effet, sorry, je marche sur le pied, je n'importe quoi. Donc un très beau match en effet, très heureux de son niveau de jeu, il a mieux joué aujourd'hui Raphaël que hier face à Richard Gasquet qui, on le sait, est un très bon joueur. Donc il est extrêmement satisfait. Next round, the quarterfinals again and against Ljubicic. Yes, going to be a difficult match. I saw him a little bit from the locker room today and he played unbelievable against Berdych, you know, so I have to be very focused all the time with my serve, because when he's serving going to be difficult, and just play aggressive, play my best, try to move him a lot, and we will see what's going on always. Thank you, Rafa. Avec un nouveau quart de finale ici face à Ljubicic, il a regardé dans le vestiaire, il a regardé son match face à Berdych et il doit reconnaître qu'il a été impressionné. Il faudra surtout bien servir, essayer de le faire bouger. On sait que ça n'est pas toujours le plus simple avec un Ljubicic qui a tendance à casser un peu le rythme. Et puis voilà comment il espère s'en sortir, évidemment, être concentré et essayer d'être le meilleur possible, as usual. Est-ce que c'était une bonne Agathe Roussel ? Je ne sais pas.